Hey 13-18, nouvelle saison, nouvelle thématique. Dans le cadre de la thématique addiction, on veut aborder premièrement le thème de l'identité. Pourquoi? Une addiction est premièrement un problème d'idole. C'est quoi une idole? C'est tout ce qui devient plus important pour toi que Dieu. Tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans ta vie. Tout ce qui va consommer ton cœur, contrôler tes pensées et ton imagination plus que Dieu. Tout ce que tu vas mettre sur un piédestal dans ta vie et que tu vas désespérément essayer d'utiliser pour combler un vide dans ton cœur. Tout pour devenir une idole, une alternative à Dieu, un faux Dieu. Le sexe, les jeux vidéo, la drogue, le magasinage, les amis, les médias sociaux, le like, l'attention, la bouffe et j'en passe. Le problème, c'est qu'essayer de rechercher le bonheur dans ces choses-là, ça peut fonctionner pour un moment. Mais très vite, tu vas remarquer que c'est un bonheur éphémère. Le vide dans ton cœur est un fort de Dieu. C'est seulement lui qui peut le combler. Ce n'est pas ces choses-là qui vont te donner un sens à ta vie, qui te donnent de la valeur ou qui vont réussir à te faire sentir important. Eh bien non. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. En Jésus, tu peux connaître ton identité, ton vrai toi, qui tu es réellement. Et c'est pour ça que pour les 28 prochains jours, nous allons plonger dans la parole de Dieu pour répondre à la question suivante. Qui suis-je? N'hésite pas à commenter, partager, de nous écrire si vous avez des questions ou de requêter des prières. Nous allons plonger dans la parole de Dieu pour répondre à la question suivante. Qui suis-je? Non. C'est passé. Qui suis-je? Qu'est-ce que tu dis? Qui suis-je? Qui suis-je ou... Excuse, qui suis-je? Ouais, c'est ça. Suis-je? Suis-je, ouais. OK, mais c'est... OK.